Annecy, la Venise des Alpes, avec son célèbre lac, son château, ses canaux qui serpentent dans la vieille ville, la perle de la Haute-Savoie est une destination touristique très prisée. Et depuis quelques mois, des drapeaux rouges fleurissent un peu partout dans les rues. Le formidable parcours du Football Club d'Annecy en Coupe de France suscite ici beaucoup d'engouement. Cette demi-finale est historique. Le match contre Toulouse ce soir alimente toutes les conversations. C'est vrai que ça a un petit peu d'engouement autour de l'équipe d'Annecy, parce que c'est vrai que ça nous arrive très peu d'arriver à un tel niveau. Donc on espère qu'on fera un résultat. Après, Toulouse reste une grande équipe face à nous, donc on verra. Partout où on va, tout le monde en parle, tout le monde a hâte. Tout le monde s'est rué sur les places, qui a été très compliqué d'avoir d'ailleurs. Et voilà, en espérant qu'ils finissent leur parcours comme ils l'ont commencé, et voilà. Et on espère que la belle aventure continuera avec le maintien en seconde division, parce qu'actuellement c'est un peu difficile. Depuis ce matin, le stade d'Annecy est en pleine effervescence pour cette affiche inédite face au TFC. Une demi-finale surprise entre deux équipes qui ne se sont jamais rencontrées. Et l'ambiance promet d'être belle ce soir dans ce stade d'Annecy qui sera comble. 13 500 spectateurs prendront place ici pour cette demi-finale de Coupe de France. Et plus de 760 supporters toulousains sont attendus. Et ils prendront place, eux, dans le parcage visiteur avec l'espoir de voir enfin le TFC accéder à cette finale de Coupe de France qui se refuse depuis tant d'années.